Oh! Le moment est venu. La pierre des étoiles chante. Tu peux commencer. Ouais, formidable. Tu vas voir, c'est pas difficile. T'as qu'à faire comme moi. Oh, désolé Alex, on n'est pas encore au point. Mais il n'y a rien de grave, il n'y a pas de mal. Est-ce que tu sais où ton père nous attend? Oui, en bas, dans la salle des commandes. Merci. Allez, viens, essaye encore. Mais cette fois, tâche de mieux viser. Eh bien, c'est pas évident pour moi, hein. Il me manque une certaine souplesse. Une de mes compagnies recherche du pétrole dans la péninsule du Yucatan. Regardez ce qu'ils ont découvert. C'est bizarre, on dirait une puissante poussée d'énergie électromagnétique. Et elle provient de cette zone, qui apparemment a été construite par l'homme. Mais qu'est-ce que c'est? Encore un autre mystère. Ce n'est mentionné sur aucune carte. C'est de la taille d'une ville, mais ce n'est pas censé exister. Voilà bien une affaire sur laquelle Matt Tracker pourrait se pencher. Et avec le plus grand intérêt. Cet enfant pouvait soulever des pierres géantes et jongler avec comme si c'était des ballons. Aussitôt que j'ai vu ça, j'ai pensé qu'il fallait vous le dire, que ça vous intéresserait. Tenez, j'ai tracé une carte de l'endroit. Tu as eu une excellente idée. Pour te récompenser, je t'offre ce cadeau. Voilà. Oh, monsieur Mayhem, mais c'est beaucoup trop de café, merci. Merci encore, à bientôt. Je suppose que ça veut dire que nous restons dans cette maudite jungle. Relax, Rax, quelle mouche te pique. Ben toi, je t'ai rien demandé. Je ne supporte plus cet endroit, c'est infesté de bestioles plus laides, plus sales les unes que les autres. Ah! Si je comprends bien, on peut bouger ces énormes pierres, pénétrer à l'intérieur des pyramides et s'emparer du trésor qu'elles contiennent, c'est bien ça, hein? Ah, le trésor ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est l'énergie qui rend les roches si légères. Pour monter un super numéro de jonglage dans un cirque? Eh bien alors, dans un premier temps, nous pourrions arracher Fort Knox de ses fondations et emporter le tout avec nous. Ouais, c'est toutes les réserves d'or des États-Unis. Le temps est venu, mon enfant. Je vais te montrer le secret des pierres. Fantastique! Vanessa, garde l'entrée. Allez. Je pense que nous arriverons demain, dans la journée. Quand est-ce que tu vas sortir de ce camion? Jamais! Tu sais ce qu'il y a dans la jungle? Des pitons et des tarentules et puis des scorpions et des guépards, des singes! Et tu voudrais que je sorte de là? Oh, sois gentil, laisse-moi lire tranquillement. Kebab! Une attaque de singe! Kebab!
Qu'est-ce qui se passe? Il y a un singe à l'intérieur avec T-Bob et il y a la porte qui est fermée. Ce n'est pas le moment de faire des singeries. Les commandes de Rhino peuvent être endommagées. Débrouille-toi pour le sortir de là. Allez, dépêche-toi. Eh ben je ne peux pas, je sais pas comment faire. Avec le siège éjectable, T-Bob. Essaye, tu pourras l'expédier très loin. Oui, c'est une excellente idée. Merci, à nous deux le singe. J'espère que tu sais voler. Tu lui as fait plus de peur que de mal. C'est bien, T-Bob, tu étais super. Mais je dois dire que je suis encore tout retourné. Nous reviendrons demain dans la nuit et je te raconterai l'histoire de cette énergie. Mais pourquoi ne pas l'expliquer maintenant? Ça nous intéresse tous. Bien, il y a toujours des gens qui cherchent le pouvoir. Je vous préviens, le soleil levant vous fera prisonnier ici. Écoute, mon vieux, si tu crois que tu nous fais peur. Oh, ça devient lourd. Hé, hey, Mayhem, tu ferais bien de sortir de là. Mayhem. Vanessa! Vanessa! Quelqu'un t'a assommé? Ils doivent avoir là-haut un autre copain, non? Le seul ami que nous ayons ici, c'est le soleil étranger. Oh! D'un seul coup, cette pierre est devenue très très lourde et j'ai été plaquée au sol. Eh bien, on ne joue pas avec moi, vieil homme. Sois patient. Maintenant, il te faut attendre un jour entier. Le pouvoir vient seulement avec la pleine lune. Il ne reviendra pas avant demain soir. Oh! Oh, quel endroit! C'est une cité maya. Une découverte inestimable. Les carrés bleus sur la photo satellite représentent quatre énormes pyramides qui délimitent la ville. Très bien, monsieur le guide. Pouvez-vous nous mener à ces émanations d'énergie? Bizarre. C'est bien ici, mais il n'y a rien, aucune trace à présent. À votre avis, à quoi est-ce que ça peut bien servir ce truc? C'est une ancienne table de billard. Ce serait plutôt un puits ou une fontaine. Venez, on va installer le camp. Il y a quelque chose qui jaillit de la fontaine, mais ce n'est pas de l'eau. C'est cette fameuse source d'énergie. C'est cela. J'ai l'impression qu'il y a un endroit précis sous terre d'où elles émanent. Il y a peut-être une galerie pour descendre sous les pyramides. Sûrement, il faut la chercher. Allez, T-Bob, tu es d'attaque pour jouer au frisbee? Ah, c'était mieux. Tu commences à faire des petits progrès. Allez, on continue? Dis donc, Scott, qu'est-ce que c'est que ces grosses pierres rondes avec des dessins? On dirait des pièces géantes. Alex dit que ce sont des calendriers. Les Mayas s'y connaissaient en astronomie. Ça, un calendrier? C'est pas facile à transporter. Bon, allez, on joue. Vas-y, à toi de lancer. T-Bob, attention! D'avoir la force d'un colosse. C'est comme si on était 100 fois plus fort qu'avant. Tiens, je vais essayer de bouger celle-là. Oh, je me demande où ça peut mener cette galerie. Oh, tu ne vas pas commencer, hein. Je me méfie avec tes idées. Chut, écoute.
Et c'est alors que le soleil... Ce sont des fantômes. Et s'ils nous disent de ne pas descendre? Mais non, t'en fais pas. Ça doit être papa et les autres. Viens, on va aller leur faire une bonne surprise. Mais c'est le genre de surprise dont je me passerai volontiers. Écoute, ils sont juste au-dessus. C'est comme je vous l'avais dit. Ah, si mes oreilles sont bonnes, ce n'est pas ton père. Attends, on va aller voir ce qui se passe. Ces gens qui se réunissent en pleine nuit dans des grottes, moi ça ne m'inspire pas confiance. Voilà la pierre des dieux qui fait danser toutes les autres quand la lune est pleine. Cette pierre est tombée du ciel à la nuit des temps et mon peuple l'a placée ici. Mais c'est très intéressant. Comment est-ce qu'ils sont arrivés ici? Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment on va s'en sortir. Cet endroit est construit de telle façon qu'il capte la lumière de la lune et la concentre sur cette pierre magique. Bon. Mon Dieu, mais cette pyramide n'est rien d'autre qu'une série de cul-de-sac. Oui, mais ça ne t'émerveille pas de voir comment un peuple primitif a pu bâtir de telles choses? Chaque pierre pèse des tonnes. Ça devait être des gars drôlement costauds, hein. Hé, mais regardez ça! Incroyable! Si j'avais pensé qu'un jour je soulèverais Rhino à bout de bras... Cette pierre est la clé du pouvoir, il nous la faut. Rax Daguerre, descendez la chercher. Mais c'est une vraie patinoire! Ah non! J'ai toujours pensé qu'ils étaient un peu lourds tous les deux. Vite, il faut appeler papa, nous devons les arrêter. Dis donc, Matt, Scott et T-Bob ne sont pas là. Quoi? Mais où sont-ils passés? Bon, eh bien, allons les chercher. Hé, Madeleine, c'est pas possible. Cette chose est collée, j'arrive pas à la voir. Qu'est-ce que tu me chantes? Allez, dépêche-toi, nous devons partir avant le lever du jour, sinon on est coincés. Qu'est-ce que c'est? Les nuages masquent la lune, la pierre n'a du pouvoir que si les rayons pénètrent suffisamment. Venez, ils ont dû descendre là-dedans. Oh, oh zut! Allez vite, soulevez-la! Ah, le miracle qui rendait les choses légères s'est évanoui. Oh, la sortie est bloquée! C'est ridicule! Pose-toi de là! Flexor, feu! Espèce d'idiot, tu aurais pu la détruire! Je l'ai dégagé, oui ou non? Alors ça suffit, hein! Hé, c'est lourd! On va avoir besoin d'aide! Venez ça! Fouettor, feu! Prêt, Hondo? Prêt! Quelle chance! La source d'énergie est de nouveau en activité! Ça nous faciliterait la vie si on avait ces horaires. Hondo, accroche quand même le câble, on ne sait jamais. Papa! Scott! Scott, j'étais si inquiet! Papa, Venom est ici! Ils sont en train de dérober une pierre, là en bas! Quoi? Venom! Ça devient de plus en plus passionnant! Attrapez ça, les gars! Eh bien, Scott, tu... Je sais. Je bouge pas d'ici. Les nuages se sont dissipés et nous pourrons déplacer la dalle de l'entrée. C'est déjà fait, Mayhem. Ah, mais comment Masque a-t-il pu? Plexor, feu! Bah, c'est déjà ça de gagné. Montre-nous une autre sortie, veux-tu? J'ai une excellente idée. Il suffit de cacher la lumière de la lune et Masque ne sortira jamais. Je vais faire ça avec le plus grand soin. Encore des intrus! Nous ne sommes pas avec eux. Nous ferons tout pour vous rendre la pierre si vous voulez bien nous aider. Thank you.
Pointeur, feu! Hé, hey, les ennuis commencent! Ils empêchent les rayons de lune de passer afin qu'on reste prisonnier. C'est la preuve pour moi que vous n'êtes pas avec eux. Oh, je suis inquiet. Les masques se sortent toujours des pièges que nous leur tendons. Eh bien, occupez-vous intelligemment de leur véhicule. D'accord, chef. Plexor, feu! Feu! C'est fantastique! Ils récupéraient l'énergie dégagée par la lune pour bâtir les pyramides. Ils ont appris le grand secret des pierres. Même celles qui restent dégagent une puissance incroyable. Uniquement quand la lune s'y reflète. Et même si le rayon est très faible, il nous reste une chance. Scanox, feu! Bravo! Tentative réussie! Concentration! Top! Ouais! Hé, hey, mais qu'est-ce qu'ils font ici, ces deux-là? Entraîner pour les prochains Jeux Olympiques? J'ai l'impression que cette fois, Venom a quand même réussi à nous battre. Nous ne pouvons plus les prendre en chasse. Les méchants ne pourront pas partir. La puissance du clair de lune s'étend seulement sur cette ville. Ah, ils en ont pour des jours à sortir de cette jungle. Et moi, j'ai le pouvoir entre mes mains. Ah mais je suis au maximum de puissance et je tombe. Alors Mayhem, on a un petit problème. Cette pierre est dangereuse, elle est devenue très lourde, très pesante, partons d'ici. Cette pierre est un fragment d'une ancienne étoile, la plus lourde matière connue. Même un tout petit morceau pèse des tonnes. Les Mayas ont découvert qu'elle dégageait de l'énergie quand elle recevait les rayons de lune, mais ce phénomène apparaît uniquement sur cette partie du globe. Ainsi, ce morceau d'étoile est inutilisable ailleurs. Et c'est bien fait pour Venom. Ça lui apprendra à attraper des étoiles filantes. Tu sais que tu ne dois pas laisser traîner tes jouets en dehors de la salle de jeu, tu le sais. C'est très dangereux. Quelqu'un peut trébucher dessus et tomber. Ah, mon Dieu, j'ai oublié un jouet. Quelle histoire! Un malheureux jouet et j'ai droit à un sermon. Voilà!